Bonsoir. J'ai vu ça en allumant le jeu. La saison classée touche à sa fin. Ce soir, donc de... Ah oui, non, ouais. Demain, c'est le dernier jour, mais je suis pas sûr qu'on en fasse demain. Donc on va essayer de passer argent 1 ce soir. Bon, ça me tarde qu'on y arrive à chaque fois qu'on vise l'argent 1. On se foire. Mais bon, on va tenter. Allez. Aujourd'hui est une bonne journée, je le sens. C'est parti, ma bulle de Fiora. On va voir ce que ça donne. Les Fiogaren. Ok, alors la main. La main est pas si pourrie que ça. Peut-être que c'est celle-là. La main est plutôt bonne là. Là franchement, là il y a moyen de faire quelque chose. Hors de mon chemin. Si ça ne vient pas de ma forge, personne n'en veut. Pas de place. Là il faudrait qu'on mette lui et lui avant la légende. Alors, on va faire ça. Nous protégeons ces bois autant qu'ils nous protègent. Attaquer. Je vous couvre. On y va. Vas-y, fais-moi peur. J'ai encore de la réserve. J'en reviens pas d'être ici. Demacia vaincra! Voici ma compassion. L'honneur me guide. Soumets-toi ou péris.
Qu'est-ce qui vous amène ? Vite, avant qu'ils s'organisent. Où tu iras, j'irai. Un soldat de Demacia vaut bien 10 ennemis. Justice sera rendue par ma main. J'ai encore tant à apprendre. Courage, soldat! Une noble fin! T'as ton produit. Notre honneur, notre courage! Il se sera toujours, oui. Du balai, étranger! Je vais pas sacrifier ça. Je suis un forgeron. On va sacrifier le forgeron. Et puis, de toute façon, on va mettre la légende et la dame. Et on attaque. En souvenir de nos morts. Soumets-toi ou péris. Tiens, prends Miel. Sale bâtard. Je suis prête. N'approchez pas. On dirait qu'il a le même build que moi. Non, bah j'ai perdu. Notre bannière. Mmh. Elle est perdue. Demacia. Ah non, une commémoration. Non, de toute façon c'est mort. Là il va mettre toutes ses cartes, c'est mort. Voilà.
3, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. C'est fini. J'aurai une carte magique, un truc comme ça. J'aurai un coup d'épée. J'aurais pu la sauver, mais là... Là, elle est finie. Bon, dommage, pour un point. Alors, juste on va vérifier un truc. Alors. D'accord. On va voir. Donc, une région. D'accord. Ah, donc faut que je fasse une game avec Jinx. On va faire une game avec le build de Jinx. On va voir si on peut pas trouver un deck Jinx. Alors. Tous les coups, il va nous manquer des cartes, hein, comme d'hab. Ah, c'est un deck twist. Alors, elle est où? S'il nous manque. Il nous manque trop de trucs. Tant pis. Alors, faut qu'on joue avec Jinx. Bon, on va jouer avec Jinx. Allez, on va se faire full congeler. Alors, on va enlever.
enlever ça, enlever ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai lu tout ce qu'il faut savoir. Mon hypothèse était juste. Bon là, le but, c'est de valider la quête. De gagner si possible, mais de valider la quête, c'est sûr. Alors... Chargé et paré à tirer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attaque. Je vais juste poser ça là. Sauf qui peut. Ah, j'aurais dû faire l'autre pour booster un peu celle-là. Ouh, jolie celle-là. Ok, on va prendre celle-là. La beauté et la vie. Les histoires du passé sont les graines voilà, de la comme vie. Ça, on les booste. Je vais les fracasser. Je serai ton professeur. Là, on invoque l'insaisissable. Octroyez plus 3 à un allié de votre main. Ouh, non, on va faire ça. Et après, on va jouer l'insaisissable. La montagne ne cède jamais. Hyper centarique. Bon, hyper pas centarique. Pas grave, prochaine partie. Au prochain tour, on la gagne. Celle-là en attaque. On a gagné. Mon ordre récompense ses fidèles. Est-ce que vous invoquez un allié, conférez-moi plus un pour seconde. On attaque. Elle est gagnée. Cool, première fois qu'on est première game avec, première victoire. Vous êtes Tarik, le protecteur. Bonne chance et bonne ascension. Non, on attaque. La nuit tombe. Elle est gagnée. On ne bouge plus. Attention! Stop! J'espère que ça marchera. Et voilà, j'ai... Je sais pas comment ça, quand ça fait ça. Et on enchaîne.
J'ai pas vu ce qu'il fallait faire pour la quête. Je sais qu'il fallait jouer un build comme ça. Oh bah voilà. Je pensais que ça allait être plus dur que ça. Allons voir ce deck. Alors. Et puis que je vois la différence quand même. Parce que lui, c'est le deck de base. Et j'avais rien compris au tout début. Et là maintenant, je comprends beaucoup mieux le deck. Je le comprends vraiment mieux. Allez, continue. Là, franchement, l'objectif c'est rang 1. Comme ça, quand il y a la fin de saison, on a de belles récompenses. Alors, full congélation. Full congélation. Alors, on va virer celle-là. Alors, on va faire ça. Bien sûr que je suis prêt. Alors, est-ce qu'on a des cartes intéressantes à booster? On va essayer de les garder pour monter une insaisissable. 5-2 ou 2-5? 5-2. Et on attaque. Patience. On va liquider son loup. On va faire ça, on va le laisser jouer, on va lui kill son loup. Voilà, laisse-le bouffer ses points. Parfait. Il ne peut plus rien faire, il ne peut pas poser sa carte. Parfait. Oh bon, nickel.
Qu'est-ce qui manque? Il manque tout. Il manque tout. Alors, vas-y, on continue. On a l'air d'avoir de la chance avec ce déclin. On continue. Merde, si on fait pas jouer, on risque pas de lancer. Alice Galista. Pour ça. Alors, on va virer ça. Hop. Celle-là, je trouve qu'elle est pas très optimisée. Ouais, vraiment un bulle de pioche, un peu un bulle à la Twisted, quoi. Et je trouve qu'il a rien à faire avec un bulle de Jinx. Ne vous inquiétez pas, j'ai lu tout ce qu'il faut savoir. Là, si on peut recommencer comme tout à l'heure avec les deux tirs, ça sera le feu. Mon hypothèse était juste. On va voir. Bien sûr que je suis prêt. J'aurais pas dû piocher, j'aurais dû garder pour mon enthousiasme. Alors. Sans bouffe tous les points. S'attaquer. Peut-être très mieux. Oh, il attaque pas que ça, Calista. Oh, le vilain. Le vilain. D'accord. Vous perturbez mes recherches. Ah d'accord, faut virer une carte en main.
Mais c'est pas grave. Il faut qu'on dégage sa Calista. Il pouvait pas la protéger, de toute façon elle avait zéro. J'ai envie d'attendre avant d'invoquer l'insaisissable. Attaquer. Nous transpercerons leur cœur de traître. J'allume la mèche. Sauf qui peut. On vire la Calista. Vraiment qu'on lui vire sa Calista. Ok, parfait. Pour ce round. Il va se protéger, il a assez de moins, il a assez de magie. Voilà, c'est du même sûr. Oh, j'aurais protégé Calista personnellement, mais bon. Une bonne carte vite, elle est finie. Okay. 2, 3, 1, 2. Faites pas attention à moi. 2 copies. 2, 4, 6. 1, 7, 8, 9. Ah putain, la main aurait pu être super bonne. Franchement, la main aurait pu être super bonne. Bon, on va invoquer la salle à... C'est moi qui tiens. Ah, saisis ça, tant pis. Hein. Les ténèbres m'appellent. Oh, ça, ça peut être très très bon. Il est con. Pourquoi il a fait ça? Il ne faut pas craindre la voix de l'ombre. J'emprunte ton chemin seul. Il a gâché une carte. Nous ne serions pas contre une petite bouchée. Alors. Ne jamais se retenir. Ah d'accord. Bon bah c'est fini. Je suis un véritable maître. Il est trop tard. C'est bizarre que je peux. Ok. Bon, tant pis. Elle est perdue. Dommage. Tu ne m'échapperas pas. Trancher leur dernier souffle. Bon.
Dommage. Écrasé. J'ai remarqué que j'avais beaucoup de cartes magiques à chaque fois dans les mains. On va virer ça. On va faire ça. L'étage qu'on dernier plus maintenant. On va faire ça. Chaque fois on a beaucoup trop de cartes magiques dans les mains. On n'a jamais rien pour attaquer. La bonne main. La très bonne main. Comment ça avec un forgeron, c'est le feu. Oh, j'adore son avatar. Petit dragon. Des lames solides et bien trempées. Je m'en occupe. On va mettre les griffons. On va mettre robuste. Comme ça, on va pouvoir se protéger. J'en ai trouvé un. Au combat. Et après, on va faire les griffons. Griffon. Un qui s'en zigue. Alors, qu'est-ce qu'il fait? S'il fait rien, ça veut dire qu'il va se protéger. C'est même sûr. C'est pas grave ça. On va quand même faire ça. Hein. Et on va faire ça. Et on attaque. Comme ça au moins on est en kill 2. Parfait. Alors après. Le griffon pour les kills.
Par contre, trois fois la voyante, ça c'est pas cool. Les carottes peuvent voler, Rib. D'accord, d'accord. Aïe. On va passer. Alors, on va pas sacrifier. L'acier de Demacia me protège. On va faire ça. Ouais, on va faire ça. Enfin, on va pas sacrifier le griffon, comme ça on va pouvoir lui choper une des deux. Parce que là... Voilà, nickel. Ok, la meuf. Ah non, on peut pas. Qu'est-ce qu'on va avoir en pioche? Une bonne pioche. Ouais, pas trop mal. On va invoquer la meuf. Parfait, on attaque. Par contre, on va grapper une de ses filles. Faut s'en débarrasser, au moins d'une. Sans maîtrise, la oh le mec. Oh le mec. Non, si je fais ça. 4. Je peux pas mettre de ça. Ouais, on va juste grapper une meuf. On va garder le forgeron. Il va essayer de me le kill. Hop, on va faire ça. Fait. Là, il est obligé de mettre son lit. S'il met pas son lit, il prend moins 11 dans la tronche. Pas de branchie, pas permis. Agissez sans okay. Hésiter. Parfait, il me reste le griffon, comme ça je pourrais lui rechoper une de ces petites là. Son lit, je peux lui kill. On est bon, on est très bon. Alors si je fais le Garen. Si je fais le Garen, je peux toujours utiliser un de mes sorts magiques. Parfait. On va le laisser attaquer avant d'invoquer le Garen. Sinon on fait le robuste. Ouais, on va faire le robuste. On fera le Garen à la fin si on a pas petit sort magique. Ouais, là on a bien joué. Nos ennemis n'ont nulle part où se cacher. Ouh, ça tu vas voir, il me le garde au cas où. Il me le garde au cas où. Même sûr. Donc on va faire. Ah, il protège son lit, ok. Oh le bâtard. C'est pas un souci ça. Tenez-vous prêt. Alors, on peut pas faire les deux, donc il va falloir faire un choix. Je protège mon forgeron. Non, on va pas protéger son forgeron, on va kill son lit. Attendez. Il frappe, ça vire son bouclier. 3. Non, on va partir sur protéger le forgeron. Ça sert à rien de lui virer son bouclier et il va lui rester 3, il va lui rester 1 point. C'est inutile. Oui.
Je ne peux pas rester sans rien faire. Vous êtes courageux, petit. Ok, parfait. Alors. On a donc le Garen. Mon épée appartiennent à Demacia. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Et on va toujours dire lui, ok. Ok, il en perd une, il en perd deux. À son tour, j'attaque. Nous ne devons pas céder. J'ai servi avec honneur. Une noble fin. Là, j'attaque. Là, j'attaque. On va pas sortir les trois forgerons d'un coup, au cas où s'ils me kill les cartes. On va les garder. On va pas le laisser jouer. On va attaquer direct. En plus, il pourra pas se protéger. Il est mort. Il est mort. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'un moyen de les tester. Peut-être. GG. Oui, GG. Ah, franchement, il y a du beau jeu. Il y a du beau jeu aujourd'hui. Alors, ouais, on va garder. On va invoquer les deux forgerons. Oh oui, il y a une bonne main. Il y a une très bonne main. On va mettre les deux forgerons déjà. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît ? Il enchaîne, dis donc. Force, personne n'en veut. Le meilleur acier de Demacia.
On va attendre, on va faire les deux griffons. Les deux griffons là-haut à son tour. Qui est prêt pour l'hécatombe ? Non, moi je l'aurais pas joué tout de suite lui. Oh, par contre, ça c'est moche. La foule est en délire. Ça c'est ses très vilain. Voici Vessid. Mais il a fait exprès. Hein. Si je dois tomber, qu'il en soit ainsi. Un peu d'aide. Ça. Ça. On fait ça et on en sacrifie un. Ouais, on va faire ça. Au moins, on lui en kill 2. Ok, elle est perdue. Là, elle est plus que perdue. Alors, on va faire... Victoire est assurée. 4, 5, 6. Encore une journée au front. Et si je fais ça, il va mettre son gros. Je vais être à 6, 6, 6, il me la kill. On passe, tant pis. Non, elle est finie. Il m'a trop enchaîné. Du sang viendra la gloire. T'es sûr? T'es sûr? Je forgeront pas un soldat. Mes mains savent forger, pas se battre. 2, 4, 5, 6. On va tenter ça. Ah non, on va prendre les dégâts quand même si c'est un bouclier. On va voir, je sais pas. Ouais, on se prend les dégâts quand même. Putain. Oh, je suis nul. On va reprendre le build de Jinx, j'ai envie de le retenter. On va changer un peu de temps en temps, de toute façon, moi j'en ai marre de tout le temps faire le même. J'ai hâte d'avoir le build de Timo. J'ai trop hâte pour changer un peu. Après le build Timo, on fait le build Karma. Ça va être trop bien. Alors, ça va servir. On va virer les deux. Ouais, on va virer les deux. Ah, ça c'est bien ça. On va le mettre. Ah, cool.
regarder, on va voir ce qu'il fait. Très dommage de gâcher un sort comme ça. Ok, donc on va faire ça. Les traditions non transmises sont perdues. Très bien. Qu'est-ce que ça fait ? Il faut c'est une carte, piocher une carte. Non, on va le garder. Je n'ai pas oublié mon entraînement. On va passer. Pour le moment, il part malin. On n'a pas pu attaquer une seule fois. Il a enchaîné avec ses cartes. Ouais, ça part très très mal. Il est perdu. On va voir, je tente ça. Un peu plus longtemps, on va dire. C'est Wump M. les Yordles en uniforme. Mais il a un multimo ? Bah non. Alors. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va faire ça. Allons tester ce nouveau bébé. Oh, le bâtard. Unité dotée d'une puissance de 3 ou moins. Normalement, on ne peut plus la kill. Si c'est de la logique. Voilà. On va la rendre insaisissable. De l'or en terre. Je sais comment trouver des champignons. Alors. Ok, hop. Ah, c'est Z que j'aurais dû passer en insaisissable, c'est pas grave. Silencieux comme la mort. Aïe.
Oh, on va la mettre sur lui. On va attaquer. En plus, elle n'a pas besoin d'insaisissable étant donné qu'elle a frappe rapide. J'ai mal joué. Mais j'ai mal joué. Quelle belle récolte! Ils ne peuvent pas se cacher. Elle est perdue. Ouais, qu'est-ce qu'il va nous faire? J'ai trop mal joué. Par contre, si j'arrive à survivre à ce round de là, elle est gagnée. Si je survis à ce round de là, elle est gagnée. Alors. Tu ne m'échapperas pas. C'est un canon, pas un bouclier. Ne jamais se retenir. Tu vas où comme ça? On va tenter ça. Normalement là on la gagne. C'est dommage pour un point. On l'aurait gagné sinon. Six. Non, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû invoquer lui. Je suis vraiment un mongol. Là, il est con. Il perd deux cartes à faire ça. Si je survis ce round de là, je la gagne. Si je survis pas, elle est perdue. Le meilleur, c'est incontestablement moi. Bon. Il en sort un autre comme ça, elle est finie. Alors, hop. 4, 5, 6, 7. Ouais.
Elle a gagné. Enculé. Oh putain, enculé. Elle était gagnée. Ah putain. Ah le mec, comment il doit être heureux. Comment il doit être... Il doit être happy, ce bâtard. Ah, sale bâtard. Ah putain, je l'ai gagné. Il aurait pu y ça, il était gagné. Ah. Est-ce qu'il a le même build que moi? Non, il a pas le même build que moi. La main est bonne. La main est plutôt bonne. Même très bonne. La main est plutôt même très bonne. Je reviens pas d'être ici. Chargé. C'est dangereux là dehors. Prenez ça. On va attaquer le Killing Kurt. On va attendre voir ce qu'il fait. Voilà. Oh le bâtard. Ok, parfait. Trop tôt. J'avais tant à apprendre. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, on va faire ça. Après, on va faire lui et lui. Et on va garder le griffon de côté. Ça, on n'a rien pour se protéger. On va faire ça. La victoire est assurée. Voir ce qu'il fait. Ça. Ça. Et ça. Sautez à mon acier. Voilà, ça sent la carte magique, c'était sûr. Il a gâché une grosse carte pour rien. Ok, il y a moyen de refaire le build assez facilement. Pas grave ça. Battu par le marteau. Un symbole digne d'être défendu. Pas grave du tout ça. Ok, et on passe. Mon
voyage continue. Normalement, donc un mois. On va faire ça. Et on va attaquer. Les Laurent sont nés l'épée entre les mains. Rien ne pourra nous arrêter. C'est la seule qui peut utiliser. Si non, il en a une autre. Normalement, elle est gagnée. Ouais. On va voir ce qu'il fait. Je n'ai pas peur. Ah non, elle est pas gagnée tout de suite. Ok, on va lui killer un de ses griffons. De toute façon, elle est sacrifiée celle-là, quoi qu'il arrive à meurt. Donc quitte à mourir, au moins, ça va les honneurs. Voilà, nickel. Là, on est bon. Là, on a un bel avantage. Il a plus aucune carte. Moi, j'ai encore de la carte. On a un très bon avantage. On invoque les griffons. Contre Laurent. Formation d'attaque. Même avoir lancé trois fois, transformé toutes mes copies en fait valise ou où qu'elle soit. Ça fait quoi si je fais ça? Est-ce que ça empêche le drainage? On va voir. Comme ça, je saurai pour la prochaine fois. Si ça empêche le drainage, est-ce que ça nique sa carte? Non, ça marche pas. Bon bah, je le saurai pour la prochaine fois. Ok, c'est fini pour lui. Voilà. GG. Est-ce qu'on va y arriver à ce rang 1, argent 1 ce soir? Ah, ce serait bien. Comme ça, les récompenses argent 1, ah, franchement, ça serait le top. Cool, un petit coffre. Allez, on va ouvrir le petit coffre. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? On arrive sur la fin de la zone. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ouh, c'est bon ça. Alors, on va tout de suite voir ce qu'on peut faire. Collection. Hop. Le deck modifié. Alors, le Timo. On peut pas le faire encore. Le guide. Le guide. On fait. Lui. Et Yassir. Il nous faut deux, on n'en a aucun. Ok, bon, c'est sûr. Je dis, on a le build. Ok, et on va regarder.
On va regarder pour le bulle karma. Ok. Non, ça avance très bien même. Je dis, on a le bultimo. C'est même sûr. Je dis, on teste le bultimo. On a gagné. On change de bulle. Non, j'ai envie de retenter sur le bulle. Après, on rechange. On va faire une petite game sur celui-là et après, on rechange. Alors, moi, Kai Nautilus. On va bien voir, hein. Normalement, ça va faire très mal. Le build est trop mal. Vas-y, on tente. Ouais, la pioche est plutôt bonne. La pioche est même très bonne. On fait ça après, à son tour. Ouh, je me tâte là. Ouais, on va faire ça. Solide et bien trempé. Je suis sûr qu'il va nous sortir une ruine, mais c'est pas grave. Il n'y a qu'un moyen de les tester. Après, on invoque le robuste. Ah non, on va invoquer les griffons. Non, on va invoquer le robuste. Je vais entretenir ce jardin. J'approche du champ de bataille. On invoque le griffon. On les chope sans mon accueil, on le kill. Qui sont morts. Protégez notre forêt. C'est pas grave. En plus, elle est éphémère. On est qui sont morts. C'est pas grave. On s'en débarrasse quand même. En plus, il nous reste un griffon. Parfait. Parfait, parfait. On invoque Garen. On va garder de quoi se protéger. On va invoquer Garen à la fin du tour. Ah! Ok, je viens de gâcher une carte. Magnifique. C'est pas grave. Ok. On fait ça. L'acier de Demacia me protège. Est-ce que je la sacrifie? Non, on va la garder.
Novgaren. Pour le roi et le pays. On attaque. Un mouvement sans fin. Hein ? 12. Là, on peut que faire 10. Il va falloir attendre d'invoquer elle. Vous avez atteint la profondeur, 5 avant la profondeur. Oula, va falloir vite le kill. Je sais ce qu'on va faire. J'ai une idée. On va faire ça. Les abysses. Là on peut les kill. Il a plus rien pour la défendre. Elle meurt. Ah, c'est bon, ça fait 10. Et mon Garen y passe. Quoi ? Ah, c'est divisé, c'est moins 1, moins 1. Oh, c'est pas grave. On le kill quand même. Normalement, on gagne. Normalement, on gagne. On va voir ce qu'il fait. Enculé. C'est pas grave. Et ça, je laisse pas jouer. 5, 6, 7, on va garder. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Ouais, on va faire ça. On lui laisse pas. Je le laisse pas jouer. Il lui reste 4 points, il peut toujours utiliser un sort. On va invoquer elle. Passe. Oh merde, j'aurais dû l'invoquer. Je suis con. Non. Le chemin fut long pour en arriver là. Ouais, regardez ce qu'il fait. Il bouffe un peu ses sorts. J'ai mal joué parce que j'aurais dû l'invoquer avant la fin du tour. J'aurais invoqué avant la fin du tour, j'aurais pu invoquer lui et je l'aurais enchaîné. Et là, parce que là, je peux perdre la victoire à cause d'une bêtise comme ça. Ok. Non, on laisse pas faire. On va voir ce qu'il fait, mais normalement, elle est gagnée. Ça le tue quand même. On kill. Non, on kill pas là. Ouais, on va faire ça. Ok, on va pas l'invoquer. C'est enculé.
avec, je pense pas. Démacien, à moi. Oh putain. Allez, c'est bon, bon. Attirez-les dans les abysses. En avant, en avant. J'ai un doute. Si je fais ça. Vas-y, on fait ça. Il y en a que deux. Bon, il va sortir des sorts de la mort qui tue. Ok. Là, on gagne toujours. Là, on gagne toujours. Étourdis un ennemi, placez cette unité dans le deck ennemi si vous avez un Nautilus. Ok. Je vous tiens. On gagne. C'est bien reçu. Une noble fin. Quoi ? Quoi ? Oh putain, j'aurais dû lire. Si j'avais lu. C'est pas grave. Mon cœur et mon épée appartiennent à... Je savais que l'accent tout à l'heure m'aurait valu. C'est fini. Putain. Oh, c'est... Bienvenue. Bonne chance, nouvelle recrue. Capitaine Crowngarde, je suis Citria. Attirez-les dans les abysses. Je suis prêt. Si je fais ça, il prend 5. Tenez bon. Il va prendre 5, 5, 6, 7. Il va lui rester 2 et 2, 1. La peur est le premier de nombreux ennemis. 6, 7, 8. Je suis prête. On fait ça. On fait ça. Oui. Après on attaque. Il en attaque. GG. Oh putain. Elle est du foutu de base. Hein. Elle était foutue de base. Allez, on reprend le Jinx. Pour changer un peu.
Alors, on va virer ça. On fait OK. Alors, lorsque vous invoquez un allié, conférez-moi plus un bonus pour ce round. On va faire celle-là. Je ne fais qu'un avec la terre. Je fais qu'un avec la terre. Oh putain. Boule bulle bouclier. Une excursion sur le terrain, comme c'est excitant. Ok, on fait. Quand vous invoquez un allié, conférez-moi plus un puissant pour ce round. Tout est plus amusant avec un compagnon. C'est toi qui le dis. Des rivières façonnent la terre et lui donnent vie. Ils ne nous verront pas venir. Là, je le kill, là, je le kill. Il me kill, il me kill. Et je l'attaque. Bouclier levé. Courant, envoyez-les par le fond. Sauvez mes écrits. Petit cadeau des nomades fluviaux. Pied gauche, pied gauche. Je peux le faire. Ces bois savent protéger leur peuple. Je vais les balayer. C'était déjà là. Quelle forme vont adopter les eaux? D'accord, à chaque fois qu'il attaque. J'aurais pas dû faire ça. Alors. Comment ça va ce soir? Ouais, on va lui virer celle-là. Les flancs.
produit plus aucun point de magie. Ouh, Jinx. Les rivières façonnent la terre et lui donnent vie. Oh, le bâtard, il a pas attaqué. Les règles sont faites pour être brisées, comme les bâtiments ou les gens. On attaque. Là, le but, c'est de se vider la main. Il y a combien normalement? Ça, on va garder. Avec le premier, elle attaque après. Je le kill. Petit cadeau des nomades fluviaux. Le spectacle est fini. On va voir. Il y a moyen de la gagner, je pense. J'ai toujours deux coups d'avance. 3, 4, 5, 5, 6, 7, il manque deux points. On passe. Non, on va lui kill la Fiora. Pour l'honneur de la mé- En garde ! Qui va là ? Bâtard. Oh, c'est pas grave. Au moins, il lui a niqué sa magie, c'est mieux que rien. Voilà, il est... Franchement, on sort une grosse insaisissable. Ça sera le feu. Oh, Z. Ça sert à rien. Traditions non transmises sont perdues. Oh, ça sert à rien, oui et non, quoi. La nature bénit ses fidèles. Jurez fidélité aux ombres. Si j'ai un Fox, ça fait trois cartes. Ouais, putain, il aura pas mis son bouclier, il y avait moyen de gagner. Bon, fin de round, tant pis. Ça sert à quoi d'attaquer? À rien.
Surveille le ouais, c'est fini. Surveillez tant vous voulez. Mon ordre va agir. C'est fini. Ouais, c'est fini. Ils vont tâter de mon épée. Alors j'y vais. Et il va grimper. Voilà. La nature. L'équilibre a été voilà. Préservé. C'est terminé. Putain. La nature bénit ses fidèles. Je serai ton professeur. Retourne dans les ombres. Elle est terminée, hein. Où est la mini comment là? Là, elle est morte. Elle est finie. On aurait pu la gagner. Pouf, allez. Allez, c'est fini. Montrons-leur de quoi nous sommes capables. Ah, je voulais pas avoir ça en premier. Franchement, je voulais pas avoir ça en premier. Non. Putain. J'aurais eu l'autre en premier, je l'ai gagné. Non. Allez, on veut ce argent. On va virer ça, on va garder les deux forgerons, on va essayer d'invoquer les deux forgerons plus rapide. Je ne rate jamais mon coup. C'est quoi son build? Je ne l'ai pas vu. Ouais, super, il est perdu. Il va full attaquer mon Nexus. C'est tout ce qu'il va faire. En plus la main elle est lourde, mais elle est lourde de ouf. Ouais c'est ça, il va full attaquer le Nexus. Elle est perdue. Ah je vous le dis tout de suite, elle est perdue, c'est même sûr. S'ils ne plient pas, ils brûleront. Rappelons-leur quelle est leur place. Un souvenir de nos morts. Il reste plein de victimes à éliminer. Elle est terminée. Je vous le dis tout de suite, elle est finie. Je tiendrai bon. Qui est celle-là? Noxus. Voilà, voilà. Franchement. Protégez nos citoyens. Montrez-leur notre courage.
J'ai exactement ce qu'il vous faut. La route est fermée. Notre bannière. Non. Ah bah celle-là, il va pas la mettre, hein, c'est clair. Alors, qui a fin d'action? C'est quoi ça? Alors. Loupé. Pas de trésor pour les morts. Mes mains savent forger, pas se battre. Oh, je vous dis, il est fichu. Le game est complètement fichu. 4, 5, 6. Rien ne vaut l'odeur du sang et de la sueur. Qu'un moyen de les tester. J'ai un bon fond, mais pas si bon que ça. Le meilleur acier de Demacia. On met les griffons. Explosif prêt. On remet les griffons. Ça va secouer. Oh super. Un point. Oh je kill sa mise fortune au plus rapide hein. Allez, c'est terminé. Je vous l'avais dit qu'elle était, perdue. Ah putain. Oh, ça m'énerve ça. Pour des histoires de main quoi. C'est, t'as la bonne main, t'es sûr de gagner. T'as une mauvaise main, t'es sûr de perdre. Ça Elise, on a nos chances. Alors, qu'est-ce qu'a dit la main? Non, ça on vire. Je pense qu'on va virer. À chaque fois, j'ai elle. À chaque fois, elle me bouffe une place dans la. Je pense qu'on va en virer au moins une. C'est dangereux là dehors. Prenez ça. Vu le but qu'il a, on va pas mettre les deux. Parce qu'à tous les coups, il va nous mettre une. Il va détruire toute la main. Donc ça serait con. On va tout perdre. On va pouvoir invoquer le Garen.
Vous n'avez rien à craindre. Franchement, je suis sûr que je vais me faire niquer. Et je me fous le deuxième forgeron. On va le garder. C'est sûr que je vais me faire niquer. Il va nous invoquer. Il va tuer tout le camp. Je vais tout perdre. Silence, voyons. Je suis un forgeron, pas un soldat. Qu'il ça Elise. Bâtard. Elle était si jeune. Si jeune. C'est pas grave, on invoque l'autre. Voilà, nickel. Le meilleur acier de Demacia. Franchement, pour le moment, la main est très bonne. Et on attaque. Le mal doit échouer. Oh, c'est moche. Le livard, on peut le réinvoquer. Alors, je réinvoque. Mon cœur et mon épée appartiennent à Demacia. On va lui bloquer sa plus grosse. Oh putain. Qui tire les ficelles. Vas-y, vas-y, continue. Il a combien de cartes dans sa main? C'est terminé. 4, 5, 6, 6, 7. C'est terminé. Je suis prêt. Mes mains savent forger, pas se battre. Peut-être pas. On va voir. Bon. On part bien la jouer celle-là. Alors, on va faire ça. Qu'est-ce que tu vois? Franchement, il nous faudrait juste une pioche. Et voilà. Vous l'avez irrité. Une bonne pioche. Faire la commémoration. On va faire la commémoration. Voilà, comme ça on est à 3-3 chacune. S'il en invoque une, j'en invoque une. Les plus puissants qui sont super. Et lol. Mais lol. Bon bah c'est fini hein. C'est fini.
Ah putain. Comme je vous dis, t'as la bonne pioche, tu gagnes tout. T'as la mauvaise pioche, c'est terminé. Là, c'est juste une histoire de pioche. Putain. Vous n'échapperez pas au jugement. Il est AFK ou comment ça se passe? Oh, s'il est AFK, c'est... Là, ça pète, là, ça pète. Le mal doit échouer. On va lui mettre du Sgaren. Il va mettre une éphémère. Mais c'est pas grave. Restez, restez un peu. Pourquoi il a fait ça? Écrasé. Nous ne nous reposons voilà pourquoi pas il a fait ça. Les traîtres n'auront pas payé. Non, d'accord. Bon, bah c'est fini. Je suis prêt. Alors. Ouh, ça sert à rien de réfléchir, hein, mais... Manière de le faire, quoi. Je suis un forgeron, pas un soldat. La justice n'attend personne. Battu par le marteau. Oh, une. J'aurais eu la lame là. Il les kill tous. Su la partie suivante, j'ai gagné. Une putain de main. Allez, on en fait une dernière. Et après, on arrête. Allez, la dernière. On espère que ce soit une victoire. Alors, là c'était celle-là que je voulais, jugement. Non, il pouvait pas me la donner. Oh putain. Oh, super, ça commence bien. Rien ne peut échapper à ma vigilance. Protégez nos foyers. Ah, c'est pas fichu, hein, mais... Je reviens pas d'être ici. Après gâcher les 6 points, ça peut permettre de protéger. S'ils sont dans les environs, je les repérerai. Je ferai de mon mieux. Préparez les torches. C'est quoi son bulle? On va voir. Le piège est posé. Alors. Si je fais ça, je peux me protéger. On va jouer la protection. Je peux me protéger et sacrifier mes cartes bêtement. La traque est lancée. Je ne reculerai pas.
Je suis prête. Alors, on va mettre le forgeron. Si ça ne vient pas de ma forge, personne n'en veut. Et on va attaquer. Enculé. On va mettre une commémoration. Les histoires qui c'est donc vrai. Je fais ça, je la sacrifie. Je fais ça, je la sacrifie pas. On va faire ça. Appartiennent à Demacia. Qu'est-ce qu'il nous fait? Quitte à la sacrifier, hein. Et en plus comme ça, il a pas son araignée. Un guetteur du détachement. Waouh, magnifique karaté. Je suis aux côtés du détachement. On attaque. Nous faisons ce qui est juste. Sérieux là? Juste pour éviter que j'attaque. Ah, pas de soucis. Alors, on va faire ça. Ah, le frisson du combat. Alors, ouais. Et comme ça, on s'en sert contre les traînes de mer. Ça va,
Arrête-toi ! Là, il met 6. Défense et protection. Pas grave. Alors, on va faire ça. Menez notre charge. Pour Demacia, maintenant et à jamais. Qui osera m'affronter ? C'est vraiment une carte de PD, cette carte. Ça ne va pas suffire. Oui, elle va évoluer, je sais, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Faut bien que je me défende un peu. Hein. Et je peux lui kill. Trindal, il est vraiment cheaté, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ça, est le premier de nombreux ça, ennemis. Ça, et on va choisir la plus forte. Et on va voir ce qu'il fait. Oh putain. Terminé. Je meurs en guerrier. Ce build de malade, mais c'est impressionnant. Bon, sur cette magnifique défaite, enchaînement de défaites même, on va dire, je vous souhaite une bonne soirée et au revoir. Ciao.